retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va se faire, ça va être pour le diamond painting, mais on va dire qu'on se fait un DIY, voilà, pour le diamond painting. Parce que vous êtes souvent à vous demander à quoi correspond telle référence, pour quelle couleur, pour quelle perle, etc. Et l'idéal pour ça, c'est comme pour les fils à broder, c'est comme pour les feutres à l'école que j'ai fait cette semaine, c'est d'avoir un nuancier. Il en existe déjà, hein, j'ai déjà vu des personnes qui en ont fait, bon, sur simple feuille ou voilà. Bon, moi, vous me connaissez, je vais être un peu plus complexe, quitte à faire un truc, je vais faire une créa en même temps. Donc vous allez avoir le tuto, hein. Donc celles qui savent faire comme moi, ben, vous pourrez très bien le refaire comme moi, hein. Je vous donnerai les dimensions, etc. là après dans la vidéo. Celles qui sont pas très manuelles, qui ne savent pas fabriquer d'elles-mêmes des objets ou quoi, ça arrive, hein, bien. Je vais vous mettre en barre d'infos les documents à télécharger. Alors moi, je les ai mis sur mon Pinterest. Voilà, donc on les retrouve sur mon Pinterest. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et par contre, si vraiment vous n'arrivez pas à le télécharger par le Pinterest, n'hésitez pas à me demander les documents par email. Donc mon adresse email est toujours en barre d'infos, hein. Mais là je remonterai l'adresse, je la mettrai juste en dessous du lien Pinterest, comme ça vous pourrez tout de suite le retrouver, et comme ça vous pourrez enregistrer. C'est même pas un téléchargement, hein, c'est un dossier que je vais vous envoyer, un fichier que je vais vous envoyer, que vous enregistrez sur votre ordinateur, et vous n'aurez plus qu'à l'imprimer. Voilà. Donc, à la base, comme vous savez, je vous ai dit dans la précédente vidéo, moi, j'avais pas Word ni tout, et là, il y a Sabine, Sylvie, je sais plus, désolée, qui m'a dit que je pouvais télécharger gratuitement. Donc, je vais chercher, là, cette semaine, sur Internet pour télécharger Office, pour moi, avoir Word et Excel. Donc, je vais chercher sur Internet pour pouvoir l'avoir gratuitement. Si c'est gratuit, tant mieux. Donc là, j'ai fait des recherches de nuanciers. Mais c'est des nuanciers DMC, un nuancier de brodeuse. Et donc, qui correspond tout à fait aux couleurs des diamond painting, hein, des perles diamond painting. Donc, il n'y a aucun problème. Moi, je l'ai juste transformé un peu, parce que ce nuancier que j'ai trouvé, c'était un nuancier DMC et Anchore. Anchore, c'est une marque de fil à broder. Donc, c'était pour que les personnes aient les correspondances entre DMC et Anchore. Donc, moi, j'ai transformé ces documents. J'ai enlevé la partie Anchore puisqu'elle ne nous intéresse pas, et je vais vous montrer. Et donc j'ai laissé par contre les couleurs et les références DMC, et j'ai laissé une case vide où j'ai écrit perle, voilà, ici. Donc là, vous avez les couleurs correspondantes. Alors ici, les premières, je crois qu'elles ne vont pas nous servir malheureusement. Mais je ne les ai pas enlevées parce que si on les enlevait, ben ça me faisait un grand trou. Donc je les ai laissées. Parce que là, si je ne me trompe pas, je crois que c'est des fils avec la couleur qui se change au fur et à mesure du fil. Si je ne me trompe pas. Ancienne brodeuse, il faut que je me rappelle. Alors, donc là, vous avez toutes les couleurs. Voilà. Donc là, ce sont les couleurs DMC, mais qui correspondent aux perles.
Là, je vous ai laissé les références DMC, voilà, dans cette colonne-là. Là, c'est la colonne que j'ai transformée, où c'était justement les références en short. Donc, je les ai toutes retirées. Et à la place, je vous ai écrit perle. Oui, je lisais à l'envers dans mon téléphone, du coup, je ne le voyais pas. Je vous ai écrit perle. C'est-à-dire qu'ici, dans les petits carrés, il vous restera à... Alors, soit avec de la colle, mais bon, plutôt du double face, si vous avez. Si vous, vraiment, vous n'en avez pas, vous mettez de la colle. Hein. Et donc, dans chaque petit carré, vous pourrez venir coller, on va dire, 6 perles. Parce que 4, ça va être maigrichon, ça va être petit. C'est plus de 6, ça va vous faire user des perles, donc c'est pas la peine. Donc, 6 perles, c'est très bien. Vous verrez après, par la suite, moi, je le ferai. Donc, on va mettre 6 perles de la référence. Hein. Là, par exemple, ici, le bleu, c'est le 157. Donc, on va mettre les 6 perles 157. Alors, il y a une autre solution aussi. Enfin, c'est toujours la même. Alors là, on va dire, par exemple, c'est que du carré. Donc, vous pouvez faire un nuancier que carré et un nuancier qu'en perle ronde. Franchement, ça me gave de faire deux nuanciers parce que surtout vous allez voir comment je vais le faire. Moi, ça m'embête d'en faire deux. Alors, ce qui peut être bien aussi, c'est dans ce cas-là, c'est de mettre dans ce cas-là, on va en mettre quatre. On va mettre quatre perles carrées en haut et quatre perles rondes en bas. Voilà. Comme ça, bah vous avez les deux. Vous avez les carrés et les ronds. Je pense que c'est ce qui est bien. Parce que faire deux nuanciers différents, parce que les perles sont carrées et les autres sont rondes, alors que c'est exactement les mêmes couleurs, ça ne sert à rien. Donc, alors si par exemple vous ne travaillez qu'avec du carré, vous ne mettez des perles que du carré. Si vous ne faites que du rond, si vous êtes sûr que vous ne ferez jamais de rond, voilà, vous ne mettez que des perles rondes. Mais si vous faites les deux, comme moi ça m'arrive, et bien vous faites, donc je vous dis, une ligne de 4. Ouais, 4, je pense que ça rentre. On verra tout à l'heure quand je collerai les perles. Et en dessous, une ligne de rond. Voilà, avec le même nombre de perles. Et donc on verra tout à l'heure ce que ça donne. Alors par contre, si vous n'avez pas tout de suite... Ben, je reviens sur le 157. Le 157, en ce moment, vous l'avez en carré, mais vous ne l'avez pas en rond. C'est rien. Comme vous voulez faire votre nuancier en double, enfin double perle sur le nuancier, vous mettez quand même vos perles carrées en haut, et le jour que vous les aurez en rond, sur un prochain kit, ben, il ne vous restera plus qu'à les rajouter sur la case. J'espère bien me faire comprendre. Hein. Je suis compliquée aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Donc vous laisserez, vous mettrez la ligne carrée et vous laisserez la ligne du dessous pour mettre les ronds plus tard quand vous les aurez. Voilà. Alors en même temps, ça peut vous aider aussi quand vous allez faire la première fois votre nuancier. Vous allez le faire avec les perles qui vous restent chez vous. Donc, ça va vous permettre en même temps, tout de suite, de voir ce que vous avez en stock. Voilà. Au lieu de chercher dans tous vos sachets ou vos enveloppes, ou voilà, comment, je ne sais pas comment vous faites. Mais au moins déjà, en faisant la première fois votre nuancier, vous verrez tout de suite ce que vous avez en stock chez vous. Et ça, en même temps, vous pourrez re-ranger dans le bon ordre. Voilà, mais ça, ce sera une autre vidéo pour le rangement des perles. Alors, ici, donc, il y a alors les feuilles, quand vous allez les imprimer sur du A4. Donc, là, elles sont déjà coupées. Vous allez avoir l'adresse, enfin, la date et puis son nom en email qui va s'afficher en bas ou en haut. Bon, il va y avoir des écritures. Parce que c'est le nom de mon fichier à moi, voilà, puis voilà mon adresse email ou la date, je sais pas. Enfin bon, vous verrez, il y aura des écritures en haut et en bas.
Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai coupé en partant du bord 1 cm tout autour. Voilà, j'ai coupé 1 cm tout autour. Ce qui fait que je n'ai comme ça, je n'ai plus les écritures qui ne me servent à rien, qui seraient moches. Alors, ce qui me fait là, ma feuille imprimée, une fois coupée, elle fait 27,7 en hauteur et 19,1 en largeur. Voilà. Bon, je sais, c'est des chiffres à la noix, hein, mais bon, je suis tombée comme ça. Bon, bah, le 19,1, vous pouvez peut-être encore le rattraper en enlevant 1 mm sur le côté. Mais bon, moi, j'ai laissé comme ça, je ne me suis pas cassée. Alors, vous aurez d'abord une première qui va donc du 48 au 445. Vous en aurez une deuxième qui va du 451 au 777. Voilà. Du coup, là, c'est par numéro, en ordre croissant. Parce que bon, j'avais aussi des nuanciers où c'était par couleur. Vous savez, tous les rouges, tous les bleus, tous les verts, tous les marrons. Mais j'ai trouvé ça plus compliqué pour nous rechercher. Parce que au moins, en prenant par les numéros, en partant du plus petit au plus grand, on a plus vite fait de le retrouver. Voilà, c'est mon avis perso. Mais bon, je ne veux pas, j'aime pas me casser la tête. Donc, j'ai préféré prendre cette version-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, oui, c'est la version qui me plaît. Donc ici, sur la troisième feuille, donc on va du 778 au 959. Voilà. Sur la quatrième, on va du 961 au 3774. Voilà. Et la dernière. Alors, moi, la dernière, j'ai fait une petite erreur à la coupe. Mais bon, sérieux, je m'en fous, c'est pour moi. Parce que le dernier tableau, vous voyez, il est pas. Il est un peu plus large. Alors, attendez, que je regarde. Il était un peu plus large. Pourquoi, je ne sais pas. Mais bon. Ou alors, c'était moi qui avais mal placé ma feuille. Je pense, ouais, je pense que c'est moi qui ai mal placé ma feuille. Alors, là, par contre, vous voyez, en bas, ça ne va pas jusqu'en bas, hein. Donc, quand vous allez couper votre feuille, vous coupez bien de 1 cm, mais du bord, hein, du bord extérieur, hein, pour que vous ayez la même taille de feuille. Voyez, je vous montre les deux pour mieux me faire comprendre. Voilà. Donc, il reste du blanc en bas. Ici, on s'en fiche. De toute façon, c'est la fin du tableau. Donc là, ça va du 37,76. Alors, au 52,00. Donc, le 52,00, c'est le blanc. Et il reste deux cases. Mais ça, c'est pareil. C'est la case en fil de broderie. Mais je les ai laissées. Hein, je ne les ai pas enlevées. C'est blanc et cru. Voilà. Donc, ça, je les ai laissées, ces deux-là. Je me suis dit, bon, je les enlève pas. Et bon, j'ai pas trouvé, je me suis dit, bon, je les enlève pas. Voilà. Donc, vous allez vous retrouver avec 5 feuilles. Alors, moi, je les ai imprimées sur des feuilles à 4 normales d'imprimante. Mon imprimante me fait des siennes, elle peut pas me prendre les feuilles cartonnées en ce moment. Donc, vous pouvez aussi imprimer sur du cartonné, par exemple pour celles qui ne vont pas faire la création. Comme ça, ce sera plus rigide. Si vous êtes comme moi, que votre imprimante ne peut pas prendre les feuilles cartonnées, ça y est, vous l'imprimez comme ça. Et après, vous collez votre feuille sur une feuille cartonnée, toute simple. Et vous mettez, dans ce cas-là, vous allez ranger dans des pochettes classeurs. Ou, voilà, pour celles qui ne veulent pas bricoler leur nuancier, hein, je parle. Voilà. De toute façon, là, je vais faire ce nuancier comme ça. Là, c'est un style un peu cartonnage. Mais je referai certainement un nuancier
pour les petits budgets, voilà, avec des boîtes de céréales. Je vous ferai ça. Bon, je verrai si. Non, cette semaine, je ne pourrai pas, mais enfin, bon, je vous ferai au plus vite. Je vous ferai donc le nuancier avec des boîtes de céréales. Comme ça vous coûte encore moins cher hein, que de faire avec des cartonnages. Alors, j'ai fait un quart d'heure de blabla et j'ai encore rien montré à part ça. Donc voilà, vous avez imprimé vos 5 feuilles, vous avez coupé 1 cm tout autour, et donc vous vous retrouvez avec 27,7 sur 19,1. 19,1 cm. Voilà. Alors, ensuite, donc, comme je vous ai dit, moi je vais le faire en carton de cartonnage. Donc voilà, j'ai déjà coupé ce que je. Alors, il y a 5 feuilles, mais on n'a besoin que de 4 morceaux de carton, comme ceci. Donc ces morceaux font 20 cm en largeur sur 29 en hauteur. Voilà. Donc il vous en faut 4 comme ça. Moi là, j'ai pris du 2 mm. Hein, j'avais pris ce que j'avais sous la main. Vous pouvez prendre du 1,5 si vous avez, ou du 2. Bon, du plus gros, c'est pas la peine. Déjà, ça va être très, ça, après votre nuancier va être lourd. Le 2, c'est le maxi qui est bien. Ensuite, il vous faut les arêtes parce qu'on va plier notre nuancier. Donc, il vous faut une arête de 29 cm de haut sur 4 cm de large. Voilà. Et il vous en faut 2 petites. Donc, toujours 29 cm de haut, comme ceci. Et là, c'est 1,5 cm. Voilà, 1,5 cm ici de largeur. Donc là, il vous en faut 2. En carton, c'est tout ce qu'il vous faudra. Ensuite, moi, personnellement, je vais utiliser à l'intérieur des feuilles noires, comme ça. Donc là, je n'ai pas pris des épaisses. Alors, je vous montre. Bon, moi, j'ai du pollen. Hein, donc, mais si vous avez autre chose que du pollen, même de l'ordinaire, vous prenez de l'ordinaire. Hein, parce que bon, le pollen, je sais que c'est quand même un peu plus cher. Normalement, un paquet comme ça, je crois que c'est 8 euros. Mais bon, ça fait un moment que je les ai. Alors, voilà, moi, c'est du pollen Clairefontaine. Et là, c'est du 120 grammes. Voilà, donc j'ai pris du noir. Prenez la couleur que vous souhaitez. J'impose à rien. 120 grammes, c'est bien. Plus, ça sert à rien. Moins, bon. Donc non, 120 grammes, c'est très bien. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre du cardstock comme ça aussi. Hein. Voilà. C'est bien. Allez, viens là, toi. Là. Le cardstock de chez Action, vous voyez, ça va très bien aussi. Hein. Et puis de toute façon, c'est la même taille, donc il n'y a aucun souci. Voilà. Donc si vous avez du cardstock d'Action, c'est très bien. Ensuite, alors là, je ne vais pas le recouvrir. Je voulais recouvrir le tissu, et puis j'ai dit non, je ne vais pas user le tissu en ce moment. Je vais recouvrir avec du papier scrap. Donc moi j'ai choisi celui-là. Alors, en sachant qu'il va falloir qu'on fasse très attention, mais vous verrez après par la suite, je fais beaucoup de blabla, hein, mais je veux expliquer un peu tout au début. Voilà. Heureusement que je ne prends pas celle-là parce que je l'ai arrachée de travers. Je vous jure. Je vous montre pourquoi. Voilà, dans la largeur, il n'y a aucun souci, vous avez de la place. Hein. Par contre, je vous mets bien au milieu pour que vous voyez. Ah,
Allez. Voilà. En haut, il va vous rester que ça. Et en bas, il restera que ça. Donc, je ne sais pas. Il faut que je vois si ça fonctionne. Parce que le papier est quand même assez dur. Ou alors, je refais avec du papier noir pour faire la couverture. Donc, en sachant que là, bah, du coup, je n'aurai pas... c'est pareil, vous voyez, il n'y a presque rien qui dépasse. Donc, je ne sais pas vraiment. Là, à part du 30-30, bon, moi, j'ai peut-être des feuilles plus grandes, mais je veux faire des choses avec ce que vous avez chez vous. Donc, on va voir ce qu'on va faire. Mais bon, ayez à côté de vous du scrap, du papier scrap, hein, du 30-30. Le coloris de votre choix. De toute façon, on verra quand on va le faire, comment on va se débrouiller. Bon, c'est vrai qu'en tissu, ça va vite. Hein. En tissu, on coupe, on colle. On peut mettre la dimension qu'on souhaite. Mais comme tout le monde n'a pas non plus du tissu chez soi, je voulais le faire autrement. Voilà. Mais bon. Ou sinon, on peut, si vous avez chez vous, alors là, moi, ils ne sont pas là sous la main. S'ils sont là, les rouleaux d'adhésif, je vais vous prendre pour vous montrer. Alors, celui-là est entamé. Ouais, je prends celui-là. Alors, vous pouvez aussi, mais alors là, il faut avoir vu, une fois que si vous avez collé de travers, c'est mort. Ces rouleaux d'adhésif de chez Action, si vous en avez en réserve chez vous, parce qu'en ce moment, il faut taper sur les réserves. Donc, c'est de l'adhésif comme ça. Vous voyez ? Bon, là, j'ai pris une couleur, j'ai plusieurs couleurs, moi. Vous voyez ? Donc, derrière, c'est ça. On peut prendre ça pour recouvrir. Vous voyez ? Pour recouvrir notre carton. Et là, dans ce cas-là, ben, on peut recouvrir comme un livre. Hein. Vous pouvez utiliser ça, vous pouvez utiliser donc les pages de scrap, vous pouvez utiliser du tissu. Il y a plein de choses. Mais là, en ayant cette dimension-là, bon, c'est vrai qu'il va falloir calculer par rapport à la dimension du carton. Voilà. Quel blabla. 23 minutes de blabla sans rien vous avoir montré encore. Allez, on va changer et puis on va attaquer la construction. Donc, il vous faut aussi de la colle. Il vous faut, alors, si vous avez, bon, je ne sais même pas où il est, avec tout mon rangement, je ne sais plus où sont mes affaires, donc c'est super. Donc, il est là. Donc, si vous avez l'habitude de faire du cartonnage, du craft gommé, si vous n'en avez pas, du scotch large, c'est très bien. Scotch large, vous pouvez, bah, vous pouvez utiliser ça, hein, mais bon, moi j'aime pas, mais bon, vous pouvez utiliser du comme ça. Ou il y a aussi celui-là, du comme ça transparent, mais moi celui-là il colle moins. Je sais pas pourquoi. Enfin, sur le carton, j'ai jamais essayé. Vous voyez. Donc, il vous faut quand même, il vous faut pas du scotch comme ça. Faut pas ça, ce sera pas assez large. C'est pour faire les charnières, voilà. Donc, bah là, je pense quand même avoir tout dit maintenant. Après, ciseaux, de la colle. Donc moi, je vais prendre la colle vinylique Cléopâtre.
Je pense. Sinon, j'utiliserai la colle aussi de chez Action, celle-là. Puis, bon, voilà. C'est bon. Allez. Si on ne fait pas tout aujourd'hui, ben on fera deux fois, on verra. Allez, je vous change de vue. Donc voilà, on va d'abord s'occuper de la première partie. Alors je vous montre. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4 parties. Voilà. Donc on va d'abord s'occuper de cette première partie. Donc je vais prendre mes pinceaux, un bout de sopalin. Mon ciseau que j'avais oublié de préparer. Alors, pour que la charnière fonctionne bien, il faut que vous. Alors, on prend le petit. Il faut qu'entre la couverture et la charnière, voilà, il y ait l'épaisseur d'un carton. La même épaisseur de carton. Il va falloir qu'on se mette bien droit. Voilà. Donc, maintenant, je vais couper. Voilà. Si j'ai fait plus grand, ça fait rien. C'est pas grave. Donc, ce qu'il faut, c'est que je mouille mon craft. Bon, désolé, là je vous le fais hors champ, je suppose. J'ai pas le nez sur la caméra. Donc côté colle, bien sûr, quand vous utilisez la craft, on met de l'eau parce que la colle est déjà sur le papier, hein. En faisant attention de ne pas bouger. On coupera après le morceau. On va pas le couper, je veux dire. Je dis des bêtises. Voilà. On va le recoller sur l'envers. Voilà. Donc maintenant, on va faire pareil avec l'autre côté. J'essuie l'eau. Donc mettez un tapis, hein. Moi, c'est parce que je n'ai pas sorti mon tapis. Donc, je vais vérifier. Ah, bah, bien sûr, j'ai bougé. Alors, un craft. Pareil, hein, je le mouille avec un pinceau comme ça, de l'eau tout simplement. Voilà, ça vous fait déjà ça. Donc là, on va en mettre aussi, hein, pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc là, on ne va pas dépasser, donc
Hop. Et je vais en coller un deuxième pareil. Couper un deuxième pareil. Et on colle. Donc, si vous faites avec du scotch, bah, c'est pareil, hein, mais là, enfin, vous faites la même chose. Mais voilà, ce qui m'embête, moi, le scotch, c'est que c'est moins... c'est plus rigide, voilà. Chez le mot. Le scotch est plus rigide quand il faudra plier. Bon, je pense qu'on fera la vidéo en deux parties. Marquez bien les plis. Voilà. Et voilà, vous avez votre première couverture. Donc ici, on va faire pareil avec le deuxième, avec la petite charnière. Alors, on va couper. Ça colle. Ah, ça a bougé. Bon, moi ça va, j'ai l'habitude, j'arrive à le faire à peu près à vue de nez. Hein. Et si vous n'avez pas l'habitude, faites avec le, comme je vous ai dit, vous mettez un carton entre les deux de la même épaisseur. C'est de l'autre côté que j'aurais dû commencer, mais bon, ça fait rien. Alors, pour moi savoir, donc, devant, et là, ce sera le dos. Voilà, comme ça, vous vous repérez. Je vais coller tout de suite ma deuxième. Et ici, donc, on colle une nouvelle.
nouvelle planche. Donc, toujours avec la même. Alors là, n'allez pas, faites attention de ne pas aller sur le carton là, hein, pour ne pas mettre trop d'épaisseur sur les plis. Donc voilà, on a, vous voyez, ça va faire ça quand on va le fermer. Je vais regarder que je sais pas, ça va. Alors maintenant, on va faire ici. Je l'ai remis dans le bon sens. On fait la même chose donc de l'autre côté. Ce qui nous fera quatre parties. Voilà. Et on va mettre ici derrière. Pour que les charnières soient bien solides. Voilà, il nous reste plus qu'à mettre la dernière planche. Je vous rappelle, ça dépasse, c'est pas grave. Hein. Mais on fait attention de ne pas venir sur l'autre planche pour ne pas donner d'épaisseur. Voilà. Et il nous reste à mettre un bout derrière.
Et on aura fini déjà l'assemblage. Voilà. Donc voilà ce que ça va nous donner. Voyez. Donc là, on va penser aussi à la fermeture. Hein. Alors, ce qu'on peut faire également, je suis en train de regarder. Mais non, si je rajoute. Non, on va laisser comme ça. Ce sera aussi bien. Voilà. Donc, il faut qu'on pense à quel genre de fermeture on va mettre. Et si on va faire un nœud. Mais bon, moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, il faudra qu'on pense que ici, voyez, ici, il faudra faire venir le ruban. On peut le faire donc en dessous du papier, on peut le faire ressortir sur le côté ici, et là pareil, il faut que le ruban, voilà, vienne ici pour qu'on puisse après faire notre nœud. J'ai Chouchou qui se bagarre avec les toutous en bas. Ah, j'ai oublié un papier. Oui, j'en ai oublié un. J'ai oublié un ici. C'est pas grave. Vaut mieux le voir tant qu'on n'a encore rien collé dessus. Et voilà. Voilà notre première partie. Donc voilà ce que vous allez obtenir. Et vous aurez votre nuancier, donc comme ça. Et la cinquième feuille viendra ici. Je n'allais pas rajouter un cinquième carton, ce n'était pas la peine. Pardon. Donc là, on va peut-être le décorer. Alors, ce que vous pouvez faire, là, si vous voulez, vous pouvez aussi coller un diamond painting, un petit, si vous avez. Pourquoi pas. Même sur la couverture, hein, vous pouvez décorer avec un diamond painting. À vous de voir. Donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est voir comment on va décorer. Pardon. Comment nous allons décorer l'extérieur avant de faire l'intérieur. Mais je réfléchis. Je reviens avec ma feuille. Voilà. Parce que voilà, si je fais ma feuille, bon, je prends celle-là en exemple. Hein. Elle va venir. Voyez. Il faut qu'elle vienne recouvrir un peu ici. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on fasse des plis à la, avec le plioir pour voir si ça fonctionne bien. Donc, on va voir un pli là. Après un pli ici et un pli ici. On va voir ce que ça donne. Donc si vous en avez, si vous n'avez pas de pliloir, vous faites avec un.
vous faites votre pli à plat, et par exemple avec ça. Alors, ici. Parce que je vois si le papier ne se déchire pas. On va voir ce que ça donne. Il faut que je refais un pli. Et avec ce papier-là, il est vraiment, je trouve, très épais. Ça m'embête. Voilà, que je craignais. Voilà, avec le papier action, ben ça va pas. Alors, on va faire autrement. Je suis embêtée hein, avec ce papier. Quand ça veut pas les filles. Je vais déjà recouvrir de noir ces pages-là, enfin le dos. Alors,
la colle. Et on va mettre, donc, je vais mettre ma feuille que j'ai collée. Enfin, que j'ai coupée, pardon. Il y en aura. Alors, ici, je n'avais pas coupé, c'est rien. Je vais couper moi-même à la main avec mon scalpel. Voilà. Je vais mettre un tapis hein, quand même. Je vais pas couper mon bureau. Donc si c'est pas bien comme ici, que ça dépasse un petit peu, bah on réégalise. Hein. Je crois que j'ai fait une bêtise. Non. Oui, mais bon, c'est rien, on va rien voir après. Allez, on va faire pareil de l'autre côté. Je crois que je vais couper juste à la main, ça ira plus vite. On coupe ce qui dépasse. Voilà. Bon, après, ça va être, on va finir de décorer, hein, vous inquiétez pas, on verra plus rien. Donc, je coupe un peu plus large que là pour pouvoir venir me poser de chaque côté.
Alors, celui-là, il mesure. Tu fais combien? Dix, si j'enlève quatre. Donc, on va faire un pli à 3 cm. Voilà, je vais y aller doucement pour faire le pli. Hein. À passer qu'une fois. Hein. Voilà. C'est juste pour moi marquer le pli. Et donc, 3 cm de l'autre côté. Comme je suis à 10. Moi, les 4 cm de la charnière, il me reste 3 cm de chaque côté. Voilà, pour moi, là, je suis sûre que ça n'a pas arraché. Je vais d'abord coller l'arête. Alors, je vais couper ce qui est en trop avant de finir mon pli. Voilà. Bon, heureusement que tout ça, ça va être caché. Hein. Oh là là. On va mettre la colle juste là. Voilà. Si j'en mets que d'un côté, au moins je ne fais pas de bêtises. Bon, maintenant il reste là.
j'ai 11, donc ben, ça me permet de faire deux papiers. Alors, le pli, ben, il faut que vous mesurez hein, sur votre... Moi, j'ai 2,1, mais bon, il est plus simple que vous mesuriez. Allez, on colle. Voilà. Alors, on va faire pareil pour celle-là.
Oula. Attendez, là, c'est con. Ma feuille, elle a bougé. Il y a encore un ou deux points de colle. Bon, ça, c'est pas grave, hein, puisque de toute façon, après, on ne verra plus rien. Voilà. Bon, regardez pas les taches de colle, mais ça, c'est la colle action, ça dégouline dans tous les sens. Donc voilà. Bon, après on s'occupera d'ici, hein, et il reste à nous s'occuper de l'intérieur. Mais avant de nous occuper de l'intérieur, il nous restera à terminer l'extérieur. Voilà. Donc là, je vais vous montrer la suite sur la prochaine vidéo, parce que là déjà, je pense qu'elle est déjà assez longue pour vous aujourd'hui, pour que vous puissiez rester concentré sur la vidéo. Allez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. On va continuer ça va demain. Voilà. Et hop, ça m'énerve ces traces de colle, mais heureusement, on ne les verra plus. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. À bientôt. Bisous, bisous. Et on se retrouve demain pour la suite de notre nuancier de Diamond Painting.